Bonsoir, donc je m'appelle Paul Asquette, et donc je tiens une ferme en bio sur la commune de Dinéols, c'est la ferme du Médium. On l'amène avec mon épouse Nadine sur une surface quand même qui est assez importante, qui est de 75 hectares, en bio depuis maintenant presque 20 ans. Donc, ça me fait rappeler le titre du film, on a 20 ans pour changer le monde. En 20 ans, c'est vrai qu'on est passé par pas mal d'étapes depuis qu'on est passé en bio. Mais avant d'être en bio, moi j'étais en conventionnel seul depuis 1985. De 85 à 2000, j'ai mené une ferme conventionnelle après mes parents. Avec le schéma classique des études agricoles où évidemment on n'avait jamais évoqué le mot bio dans les études. Et quand je suis arrivé sur la ferme de mes parents, je suis parti sur un modèle classique, c'est-à-dire des vaches laitières sur 40 hectares, je crois que c'était ça à peu près en 85. Et puis tout doucement, j'ai vu mes voisins un par un prendre leur retraite. Et puis naturellement, j'ai repris leur ferme parce que c'était la seule perspective, c'était effectivement de reprendre toujours un peu plus de terre. Et bon, le seul intérêt que j'y voyais, c'est qu'effectivement, c'était des terres de proximité. Donc du coup, je pouvais faire pâturer mes vaches dessus. Et donc il y avait beaucoup d'herbes selon le système, tout ça. Donc c'était quand même un peu adapté. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, les 9/10 des agriculteurs sont, parfois on les appelle des paysans routiers. En fait, ils passent autant de temps sur les routes avec leurs tracteurs qu'à travailler leurs terres. Enfin, je caricature un petit peu, mais c'est on en a pas parlé dans le film, mais c'est vrai qu'on en est arrivé à des inepties dans le milieu agricole aujourd'hui où effectivement on grille beaucoup de gasoil, mais pas que à travailler la terre, c'est aussi à transporter du matériel, transporter des fourrages, transporter du grain sur les routes. Donc ça, j'ai évité de le faire, donc c'est vrai que naturellement je me suis agrandi tout autour de chez moi. Enfin bon, voilà, mais en 2000, la décision au bout de 15 ans d'une agriculture intensive, c'est vrai, j'étais très intensif, usage d'engrais, de pesticides et production laitière avec, il faut le savoir, un principe de ne pas laisser les animaux vivre naturellement, c'est-à-dire on fait naître des veaux tous les ans sur chaque vache, quand on retire le veau à la naissance, enfin, je sais pas si quand je reparle, c'est effectivement parfois j'ai un peu l'émotion parce que j'ai fait des choses pendant 15 ans qui étaient contre nature, enfin en tout cas pour moi. Enfin, je sais qu'il y a des éleveurs aujourd'hui qui le font qui le font encore naturellement, mais je pense avec de plus en plus d'état d'âme. Mais je pense que si les mouvements végétariens, végans commencent à apparaître, c'est parce qu'aussi on est peut-être sorti d'un modèle de production animale. On parle souvent de polyculture élevage, où l'élevage a toujours sa place, mais quelle forme d'élevage? Est-ce que c'est de l'élevage, même en bio, parfois intensif, où on fait naître des veaux systématiquement, on a vu sur un reportage où on les tue à 4 mois, où on les retire de leur mère pour en tirer le lait. Je pense que demain, il y aura forcément, de toute façon, aujourd'hui, je dis demain et aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ça paraît une évidence aujourd'hui que la bio apporte des solutions pour se passer des pesticides, des engrais, et que effectivement la biodiversité revient dans nos fermes. Et je pense que pour bien coller aussi à notre modèle alimentaire et aux préoccupations des consommateurs de demain, je pense qu'il y aura aussi à se reposer la question de la façon dont on fait l'élevage. Est-ce qu'on fait de l'élevage partout? J'ai bien noté que dans les fermes d'avenir, on parle encore beaucoup de polyculture élevage, alors qu'en fait, nous, on est sur une ferme où on se passe quasiment d'élevage, où on a quelques vaches armoricaines qu'on a voulu aujourd'hui sauver d'un peu de l'extinction. Donc on en a très très peu aujourd'hui, on n'a plus qu'une vache d'ailleurs, qui entretient un peu les prairies de bas-fonds, et avec ses veaux. Donc les veaux ne sont jamais envoyés à l'abattoir, on attend qu'ils aient l'âge adulte pour effectivement s'en séparer. C'est vrai que ça reste toujours un acte difficile à faire de tuer les animaux. Je pense qu'aujourd'hui, même les éleveurs sont tous individuellement confrontés à toujours cette forme de décision qui doit être lourde à prendre et qui est lourde, enfin, parce que je l'ai fait pendant 15 ans quand j'étais en conventionnel, où on envoyait 20% du troupeau à l'abattoir tous les ans. Enfin, c'était quelque chose de... C'est vrai que quand on rentre dans le détail, je pense que parmi vous, il y a seulement des gens qui ne connaissent pas forcément l'agriculture dans tous ces détails, mais c'est vrai que quand on rentre dans le détail, la façon dont on produit, c'est vrai qu'on parfois on en arrive à avoir créé au niveau d'une profession agricole des...
enfin, des situations qui sont quasiment ingérables au niveau, enfin, au niveau pour supporter ce qu'on est obligé de faire, d'envoyer 20-30% de son cheptel tous les ans à l'abattoir, et le renouveler, faire naître des veaux à chaque mère, et puis retirer le veau. Enfin, vous voyez, c'est pareil aussi pour les moutons, pour les chèvres. Enfin, vous voyez, je pense qu'il y a, il y aura demain forcément une réflexion supplémentaire. La bio, oui, mais quel sens on donne à l'agriculture? Est-ce qu'elle colle vraiment à une alimentation qui est bonne pour la santé aussi, parce que trop d'animaux, enfin tout le monde le sait aujourd'hui, que ce soit de la viande, même des produits laitiers, enfin la viande, on sait qu'on est sur un modèle de surconsommation, et la bio ne déroge pas la règle, mais on fait un peu plus attention, parce que les produits sont plus chers, donc on en consomme moins, mais je pense qu'on est encore sur un modèle alimentaire qui demain devra évoluer aussi pour coller à un modèle agricole qui sera peut-être basé plus sur de la le végétal, mais avec pourquoi pas la présence animale. Hein. Je pense que ce sera des choix des agriculteurs et des consommateurs de le faire. Mais c'est pas une obligation d'avoir des animaux sur une ferme pour la faire fonctionner. Et effectivement, aujourd'hui, nous, on est depuis maintenant presque 20 ans sur un modèle de production végétale. Je pense que ce soir, on aurait pu avoir de nombreux témoignages de paysans bio aussi qui font les vaches, qui vivent très bien leur métier, et je les respecte totalement. Moi, je sais que ça n'aurait pas été le cas. Et cette volonté de transition entre le conventionnel et le bio, il a été motivé par ça, par le fait de ne plus avoir d'animaux sur la ferme, et par le fait aussi que voilà, je n'en pouvais plus d'utiliser des produits de traitement et des engrais. Parce que c'est si on parle vraiment d'un métier formaté, enfin formaté en tout cas uniformisé, c'est bien aujourd'hui le métier d'agriculteur où effectivement on ne travaille plus vraiment avec la nature. Quand on est en conventionnel, on travaille effectivement avec essentiellement des produits chimiques. Depuis qu'on est passé en bio, effectivement, depuis maintenant un peu plus de 15 ans, effectivement, il faut réapprendre à travailler avec le vivant. J'ai découvert plein de choses, j'ai fait plein de bêtises aussi. Enfin, on a fait des choix aussi assez radicaux sur notre ferme de totalement refuser aussi. Bon, vous avez peut-être trouvé que j'assiste beaucoup, mais on a refusé l'utilisation de matière organique d'origine animale. On trouve qu'effectivement, aujourd'hui, c'est la matière organique qui est le style fumier, lisé, qui est disponible, qu'on peut utiliser en bio, enfin, pour nous, c'est pas satisfaisant. Donc on souhaitait effectivement rester autonome sur notre ferme et se dire voilà, comment est-ce qu'on peut faire. Et donc on a beaucoup basé notre ferme sur la rotation, sur les engrais verts, sur la restitution au sol. On a vu plein de petites choses qui sont parlantes dans le film, hein, d'une terre qui devient de la semoule, qui s'enrichit de nouveau avec le végétal. Hein. Et c'est vrai que nous, sur notre ferme, on se rend bien compte que le sol s'enrichit tout doucement. Alors après, il faut apprendre à mettre son orgueil un tout petit peu de côté. Quand on passe de conventionnel à bio aussi, c'est qu'on a un peu plus de on dit souvent mauvaises herbes, mais en fait, ce sont des herbes qu'on ne souhaite pas avoir dans les cultures, mais qui sont présentes et qui, moi, ne me gênent pas. Enfin, parfois, c'est un tout petit peu difficile quand on a un petit peu de rumex dans les champs, enfin, de chardon, de choses comme ça. On se dit, est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour ne pas les avoir? Mais tout à l'heure, on partait de Dignol, on a une parcelle de blé ancien là, qui est en train de pousser. Et derrière, on voyait juste derrière, le champ était pas rouge de coquelicots, mais il y avait plein de coquelicots dedans. Et je disais à Nadine, voilà, moi je suis content quand je vois ça. Parfois, quand il y a un peu de rumex, quand il y a un peu de diversité au sol, je me dis, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas naturel du tout, évidemment, de travailler des terres, de remuer la terre en permanence. Mais si la nature, on peut quand même lui laisser une petite place quand même dans nos modèles. Et on voit, par exemple, qu'on a sur notre ferme, des insectes sont revenus. En 15 ans, là, c'est assez surprenant. Enfin, souvent, quand on voit dans les médias, on dit qu'il y a 80% des insectes qui ont disparu. Nous, je pense que c'est 80 qui sont réapparus. Enfin, on a revu. Nous, on moissonne nous-mêmes nos blés, le sarrasin, le colza. Enfin, on fait quand même des cultures assez variées. Et on récolte, on commence à récolter au mois de juillet pour les finir au mois d'octobre avec le sarrasin. Et c'est vrai que c'est assez bluffant de voir tous ces insectes qu'on retrouve aujourd'hui dans nos champs. Bon,
toujours parfois un peu mal au cœur de les voir venir avec le grain dans la moissonneuse, mais bon, voilà, c'est. Mais on sait que les oiseaux, enfin que tout ce qui en dépend va aussi pouvoir mieux vivre. Bon, on a essayé de conserver aussi aujourd'hui, enfin, on a reporté des talus, mais on a aussi sur les talus qui sont existants, qui ont déjà qui sont assez anciens, on a fait par exemple un petit contrat avec le parc d'Hermorique, le parc naturel d'Hermorique, pour éviter de les saccager comme on voit aujourd'hui dans les campagnes où on passe les lamiers, les épareuses. Enfin, voilà, on laisse les talus s'exprimer, tant pis si on perd 3-4 mètres dans le champ, mais on a vraiment des magnifiques talus aujourd'hui sur nos parcelles. Et je trouve que ça fait vraiment partie de notre métier de paysan que de permettre aux oiseaux de se nicher, mais en même temps qu'ils puissent trouver des graines de très diverses dans nos champs, enfin de ce qu'on appelle les mauvaises herbes qui auraient grainé ou des insectes qui auront pu survivre dans nos champs parce qu'ils ne sont pas traités. Voilà, je pense que c'est une vision assez globale des choses qu'il faut avoir. Il faut avoir un peu d'humilité et de mettre son orgueil parfois dans sa poche parce que justement on a les résultats qu'on obtient ne sont pas forcément toujours formidables non plus. Mais on essaye de plus en plus de faire des cultures qui vont directement alimenter les êtres humains, c'est-à-dire on fait de la farine sur notre ferme, on moue les blés, le sarrasin, le seigle, les poutres, enfin, on essaie de faire des cultures différentes, on fait aussi un peu de culture de colza, mais pareil aussi dans une rotation très longue. C'est-à-dire qu'une, par exemple, du colza, c'est une culture qui est assez sensible, mais c'est vrai que si on la fait sur 30% de la surface de la ferme, ça ne peut pas marcher. Nous, on l'a fait sur 10%, sur 10%, voire un peu même moins. Et donc, du coup, le colza, par exemple, parcelle verra du colza cette année, mais elle ne reverra pas de colza avant 7-8 ans. Et entre-temps, ben, ce champ-là, il aura eu une rotation à base de. Il y aura eu du sarrasin, il y aura eu du seigle, il y aura eu une ou deux années de jachère ou d'engrais verts qui enrichit le sol, qui permet au sol de se reposer un peu. Enfin, on essaye vraiment. Et puis, en diversifiant ces cultures, bon, on se dit, voilà, on essaye aussi de coller au mieux au fonctionnement du sol sans le remuer non plus systématiquement. Bon, je ne cache pas qu'on a fait du non-labour pendant quelques années. Ça n'a pas été une réussite chez nous, en tout cas. Enfin, sous notre climat de Dignol, où il pleut pas mal, parfois l'enherbement est très difficile à contrôler. C'est-à-dire que l'enherbement, c'était tout ce qui est graminé, les petites herbes comme ça qui poussent dans les cultures, qui parfois peuvent carrément étouffer les cultures si elles n'ont pas été enfouies, si ces petites herbes n'ont pas été enfouies avec une charrue. On essaye de labourer, ouais, une fois tous les 3 ans, quelque chose comme ça. Enfin, ça reste un petit labour, ce qu'on appelle agronomique, qui lui va respecter le sol normalement. Ça nous fait toujours un peu mal au cœur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des chapelles qui disent « Oh là là, il ne faut surtout pas labourer », quand on parle avec eux. Enfin, quand on entend les bourguignons, parce qu'on ne s'est jamais rencontrés, mais ils sont totalement opposés au labour. Voilà, je pense qu'après, on a tous droit à une petite marge de compromis, d'erreur. Voilà, faut pas prendre trop de chemin de compromis, mais je pense qu'on est obligé, si on se prend tous chacun dans nos vies, on est tous obligés de faire parfois des petites compromissions et donc là le labour nous fait rentre dans un peu dans notre système de temps en temps.